La ville de Biankouma a servi de cadre au lancement de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse dans la région des montagnes. En présence de M. Ndrou Nguessan, préfet du département de Biankouma, représentant le préfet de la région du Tonkoui, le commandant Douagoué, directeur régional des eaux et forêts de Man, a indiqué selon des statistiques nationales que de 2002 à 2013, ce sont plus de 450 000 hectares de forêts qui sont partis en fumée avec 250 000 hectares de plantations de café et de cacao. Près de 350 pertes en vie humaine ont été enregistrées pour des dégâts matériels estimés à un peu plus de 89 millions. L'homme est à l'origine du feu de brousse. Le feu de brousse entraîne la pauvreté. Le feu de brousse détruit l'homme et son environnement. C'est pour ces raisons essentielles, au nom de l'administration des eaux et forêts, je demande à chacun de nous d'adopter un comportement éco-citoyen. Le préfet de Biankouma a, au nom du ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babodari, installé les comités villageois de la région, dont 13 à Biankouma et 8 à Sipilou, avec pour mission de sensibiliser les parents sur les dangers des feux de brousse. Rappelons que le thème de l'édition 2013 est « Les feux de brousse, une menace pour la forêt, un danger pour l'homme ».